Donc là, on a mis en route le mobile Wi-Fi et on est en train de lancer un scan pour voir ce qui se passe. On entend à la fois le Wi-Fi qui là semble être tout seul quand on n'est pas en train de faire de la donnée dessus. Je vais remettre à zéro l'appareil. Hop. Immédiatement, on remonte quand même à 22 volts par mètre. Et je vais lancer un speed test. Et là, c'est parti, le speed test est en route. Et on plafonne à 21,6 volts par mètre. On a à la fois du signal qui est lié à la 4G et du signal qui est lié au Wi-Fi. Et là, le test vient d'être terminé et on a maintenant vu ce qui se passait avec ce système.